le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAP dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature et d'honorer la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement du 5 septembre 2021. Aux blessés, aux détenus, à tous ceux qui ont souffert de la répression de ce pouvoir, la nation leur doit aussi reconnaissance et soutien. L'ANAD tient également à saluer tous ceux qui, à travers le monde et au nom des valeurs démocratiques, ont, sous diverses formes, accompagné et soutenu son combat. L'ANAD exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes et démocratiques capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'État de droit. Fait à Conakry le 16 septembre 2021, fait à Conakry le 6 septembre 2021, l'ANAD. La déclaration écrite, je vous l'envoie à travers le groupe WhatsApp dans lequel vous êtes copié. On peut vous envoyer une copie si vous avez envie. Oui. On a une question. Bien, merci. On a une question. Merci, merci à vous. Après, il faut copier la déclaration, mettre là-bas comme sous-titrage.